voulais dire nul, bien sûr. Comme tout le reste. Tu pars de l'hospitalité normande. Tout à la FCD. Ne venez pas, c'est trop décalé pour vous. Et puis les Normands sont chelous. J'ai tellement mal parlé de la FCD. Bon, je suis désolé, mais il faut qu'on parle. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Avec les copains, on a organisé la Fur Calvadence, la seconde édition. On s'est vraiment mis à fond pour organiser tout ça. Il y a eu effectivement quelques couilles et tout, mais il y a eu surtout beaucoup, beaucoup de mauvaise foi. Et là, il va falloir vraiment courageux parce qu'on ne peut pas laisser passer ça. C'est pour ça que l'association Normandie Fur porte plainte pour harcèlement, diffamation et incitation à la haine. A priori, on nous a pris aussi pour une secte par rapport au sponsor Monsieur Prof. Mais bon, que voulez-vous? Chaque association a besoin de se rémunérer un peu. Voilà, on a notre bon sponsor, quoi. Une formule très musclée, un parfum citron très frais, Monsieur Prof. Bon ben, nous sommes réunis surtout pour contrer cette vidéo de très 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 mauvaise foi de Tisha Tiger. Et Blaze qui me sort un verre d'eau, du robinet. What? Ouais, de l'eau bien calcaire qui m'a servi avec un grand sourire. Tout en sachant qu'en plus, cette eau, ce n'était pas n'importe quelle eau du robinet. C'est du Château La Pompe, 1938. Très voilà. Belle année. La très belle année. Qualité, quoi. Je veux dire, puis je lui ai servi avec amour, la gueule. Pourquoi il s'en plaindrait? Eh bien, en Normandie, hein, du crachin du matin au soir. Bon, déjà, tout d'abord, les gens se sont plaints de la pluie. Mais la pluie, on est en Normandie, voyons, ça serait comme pas avoir assez de vache dans l'Inde, ça n'irait pas. Ou pas mettre du sel dans le beurre, c'est important le sel. Et pareil là, on en parle du café, hein? Ah, c'était du café en poudre. Oui, bien sûr, et passablement dégueu. Déjà, ok, pas très bon, mais j'ai pas assez d'argent. Mais c'était pour les bénévoles, pour arrêter de se plaindre. On chouchoute nos bénévoles. Il était pas bénévole, pourquoi il se plaint? Bah ouais, pourquoi il se plaint là? Pourquoi tous les participants sont mis à nous aider? C'est quoi ce bordel? On leur a rien demandé, tout quoi. Et puis, pas de passe droit pour les topus. Voilà. Et puis toute manière, je veux dire, pourquoi les gens se plaignent? Je veux dire, on a mis en place un bar extraordinaire. Bon, il manquait un truc, je suis d'accord. Il manquait le Cointreau. Il manquait aussi le Calva. Le quoi? Et ben c'est le Calva. Faudra budgétiser le Calva. Et le Cointreau. Et d'ailleurs, le Cointreau Calva, ça s'appelle le CC. C'est trop calme, c'est. Puis surtout, on a pris bien soin de bien accueillir au niveau repas. Hein. Notre chef pâtissier était là pour ça. Il a même pas été crédité. C'est un scandale. Ah bah oui. Scandale le grand. Scandale le gros. Scandale. Ah oui, pardon. Bon, le truc aussi, j'avoue qu'on a totalement perdu le contrôle, ça a été... comment dire? Nous, normalement, vous savez, on est juste normaux, hein, on n'a aucun parti politique pris, hein, c'est pas notre faute. Sauf lui, c'est toujours, c'est la faute à Dim, c'est toujours la faute à Dim, on est d'accord. Pourquoi? On est d'accord. D'ailleurs, on est mais vraiment, vraiment désolé pour cet extrait vidéo. Ne venez pas, c'est trop décalé pour vous. Il y a même eu un article sur actu.fr pour prévenir les gens respectables. Regardez ces images pas du tout sorties de leur contexte. Le passage avec Jules, c'était juste pour les foutre dehors, quoi. C'était vraiment pas voulu pour ça. On est désolé, on voulait pas ça. On voulait pas ça. C'est un malentendu. C'est un malentendu. C'est un malentendu. Et puis on aurait pu avoir pire. On aurait pu avoir pire. Ça aurait pu être la Moulaga. Ouais, ça aurait pu être la Moulaga ou Aya Nakamura. Voir les deux. Aussi, on s'excuse énormément pour les choix des musiques de... pour les chaises musicales. C'est encore la faute à Nîmes. C'est pas la faute. C'est lui. C'est encore la faute à Nîmes. Coupez-le. C'est toujours ma faute ici, de toute façon. C'est un scandale. Donc voilà, si vous cherchez un responsable, c'est Dim. Hein. On y est pour rien. Et puis aussi, par rapport à l'organisation de notre événement, bah, on était plutôt bien cadré et c'est pas trop parti en couille. En plus, on avait de la superbe sécurité, quoi. Regardez tous les magnifiques plots que l'on avait de côté.
je me sens sécurisé. Voilà. J'ai jamais été aux anges. Regarde, on a sécurité, toute putain. La sécurité avec là, il peut rien se passer. Il peut rien se passer. Non. Aucun scandale. Non, aucun scandale, il a raison. Scandale, t'as raison, il n'y aura aucun scandale. Jeanne, au secours! Je vous demande de vous arrêter, s'il vous plaît! D'ailleurs, maintenant que j'y pense, là... Moi, je suis peut-être président de Normandie Fier, mais je suis pas non plus un jouet et une mascotte, quoi, je veux dire! La voiture du grand Manitou de l'association Normandie Fier s'est fait enrouler de PQ. Ma pauvre bagnole! Ah, ces putains de fourmis, je vous aurai un jour. Je vous aurai, les fourmis! Vous me cherchez depuis très longtemps. Mais croyez-moi, un jour... On les aura. Mais de toute manière, c'est quand même la faute à vie. Mais encore! Putain! Mais pour cette fois, je suis vraiment pour rien! Et toi? J'en parlerai à mon avocat. Qui est aussi l'avocat de Normandie Fur. Ah, c'est un très bon avocat, d'ailleurs. Donc voilà, aussi, le trésorier. C'est lui qui a les sous, donc va nous faire un rapport comptable, maintenant. D'accord. Il est fauché. Il se barre avec la caisse! Putain, merde! Chocolat! Chocolat! Je commence à mettre les affaires dans la salle. C'est déjà le fun, les gens. Oula. Reprenez vos places. Donc voilà, là, tous ceux qui se plaignent, là, de ce qu'on fait. Là, au travail, on va pas laisser passer ça, là. On va pas laisser passer ça, ils sont tous morts, ils sont tous morts. Ils sont tous morts, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Bon, allez, on va arrêter un petit peu les conneries, quoi. Non, en tout cas, on est là pour vous remercier tous pour cette Fur Calvados qu'on a appris un énorme, énorme plaisir à organiser. Que ce soit avec les 86 participants. Vous êtes fou. Vous êtes incroyable. Vous êtes formidable. 43 fursuiteurs, 17 participants sur 20 pour la première battle de danse organisée en France. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche personnellement. Donc, merci énormément. Merci à vous tous, surtout d'avoir permis l'événement de la Fur Calvados, parce qu'on a eu quand même 25 bénévoles pour cet événement. Sans eux, jamais ça aurait pu... C'était un beau merdier, mais c'était un magnifique merdier organisé, quoi. Bon, apéro ! Allez ! Apéro ! Alors, je tiens aussi à lever mon verre pour Midnight et Claymore, qui nous ont permis d'avoir des visuels super sympas dans la salle. Ainsi qu'à Shonen, qui nous a réalisé cette bannière de malade, quoi. Mon ego, il est pas mal, il est élevé. Hein, c'est... Bah là, il a pris le melon, c'est fini. Hein. Il passe plus les pattes. Ah ouais. Ses chevilles sont enflées, comme on dit. C'est problématique. Ça va pas, c'est... Même la double porte de la Fursupune. Et puis aussi donc à ce cher Tage qui nous a permis d'avoir un site pour pouvoir s'enregistrer pour cette année. Mais bon, quoi qu'il en soit, il faut savoir que la Fur Calvados, effectivement, on dit jamais 203. Donc on va faire tout en sorte pour l'an prochain, pour voir pour une nouvelle salle plus grande, encore mieux, de meilleures préparations en amont, encore plus de choses à vous proposer, avoir un gros événement de malade, quoi. Encore plus d'argent soutiré. Oh, grave. Et à manger. Ah oui, attends. Piquez les calmez-vous. Ils sont ingérables. Calmez-vous. Ils sont ingérables. Vous étiez tous ingérables. Mais bon, je crois que je le mérite un peu. Hein. Ah, et aussi, bah, bien sûr, Tisha, malgré ta mauvaise foi et le fait que tu méritais peut-être pas ce café, même si t'es dégueulasse, je vous recommande en tout cas d'aller voir sa chaîne. Il nous fait des vidéos de fouifou sur tout ce qui concerne le fandom. Donc, je vous donne le lien dans la description. N'hésitez pas à aller le voir. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu du hug et je vous dis à bientôt. Pour la suite, je vais faire en sorte de vous partager quelques vidéos justement, que ce soit en after movie de l'événement et ainsi que bien entendu à faire Octogone, la battle de danse quoi. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu du hug et je vous dis à bientôt. Est-ce que vous avez un truc à lire chacun là quand même ? Faites-en pour le coup. Cornemuse. Bah, Jules, c'était pas si mal. Ah ! Coupé !
Bon, quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir assisté à cette toute première vidéo putaclic de ma chaîne. Et puis je vous dis bah, à une prochaine et bien vous éclater entre temps. Ciao, bye bye. Ah ! Ouais, c'était bien cool.